Ça fait 2 jours. Le combat continue. Famille, qu'Allah nous vienne en aide. Les politiciens guinéens, c'est comme des caméléons. Il ne faut pas les voir faire quelque chose. Vous allez dire, ah, ceci-là, non, c'est des bonnes personnes, non. On a vu ici Badra Kone, qui était le maire adjoint de la commune de Matam. À l'époque, il était de l'UFR. On a vu qu'il avait démissionné. Déjà, monsieur avait déjà un plan de récupérer la tête de la commune. Ah, la Guinée. Badra. Badra. Vous qui êtes l'élu du peuple, comment vous pouvez accepter que des poutistes viennent, on remplace les élus du peuple par des nominations? Où est la démocratie, Badra? Déjà, tu es avec l'autre Ismaël Kondé. Déjà, toi aussi, tu cherches la tête même. Pas à travers des élections, mais à travers des arrangements. Déjà, des félicitations à l'égard du CNRD. Tout était déjà préparé. Incroyable. Ah, politiciens guinéens. J'ai dit au peuple de Guinée, ne vous réveillez pas. Si c'est sur ces politiciens mendiants, je dis bien, c'est sur ces politiciens mendiants. Après, ils disent que non, ce sont des jeunes. Comment on peut comparer des gens comme les Ousmane Sonko, le président Diomaye Faye? Comment on peut comparer nos jeunes leaders à ces leaders sénégalais? On a vu au Sénégal le PM Ousmane Sonko et le président du Sénégal. Ils ont refusé beaucoup de choses. Ils ont lutté contre la corruption. Ils sont venus trouver des grands leaders devant eux. Mais le peuple les a fait confiance. Et c'est ça le problème des jeunes politiciens guinéens. Ils sont tous affamés. Ils sont tous affamés. À un moment donné, arrêtez. Battez-vous pour le peuple. Badra Kone, franchement, je suis dessus de vous. Hein. J'avais beaucoup d'estime pour vous. J'avais beaucoup d'estime. Vous avez été élu. Vous étiez le deuxième, le vice-maire. Au lieu d'attendre des vraies élections, tu vas vendre ta dignité pour récupérer la tête de la commune de Matam. Ce n'était pas mieux de mettre Ismaël en même temps? Parce que lui, il était le... Si Ismaël aussi savait, il allait démissionner. Déjà, Ismaël aussi est assis là-bas. Son adjoint, lui aussi, il est en train de préparer quelque chose. Incroyable. Incroyable. Il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un. Jamais. Mais c'est bien fait pour lui aussi. C'est bien fait pour lui. La famille partagée. Vous avez vu l'explosion du magasin de stock de EDG dans ces 2 jours-là. Vous avez bel et bien vu. Vous avez bel et bien vu l'explosion de ce dépôt de stockage de EDG où il y avait des compteurs prépayés. Des journalistes ont commenté là-dessus. Il n'y avait pas de branchement électrique pour dire voilà, coup circuit. Non. Famille, ce qu'on ne va pas vous dire pour ne pas donner des maux de tête encore aux Guinéens, vous savez que les dégâts sont déjà évalués à plus de 45 millions de dollars. Imaginez, hein, le petit feu que vous avez vu là. La dernière fois, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais vous savez, les dégâts déjà de cet entrepôt est évalué à plus de 45 millions de dollars. C'est encore le Guinéen qui va payer. Vous saviez, c'est la Banque mondiale le plus souvent qui préfinance ce genre de choses pour nous. La Banque mondiale. C'est encore les Guinéens qui vont...
C'est-à-dire, quelqu'un s'est déjà enrichi. Quelqu'un s'est déjà enrichi. Maintenant, la valeur, on va dire, voilà, c'est le montant là. Ils ont fini de prendre l'argent avec la Banque mondiale. Ils vont nous dire, voici la quantité qu'on a achetée. Voici la quantité qui est partie en feu. Je vous dis, le CNRD, c'est un groupe de bandits, de gangsters. Un groupe de bandits et de gangsters. C'est incroyable. Allez-y du côté aussi de Anaïm. Depuis que ces bandits-là sont venus, ils ont dépensé plus de 500 milliards de nos francs. 500 milliards de nos francs. Famille, où sont ces projets-là? Logements sociaux ou je ne sais quoi. Allez-y, Anaïm. Anaïm, si je vous dis, il y a un proche de Mamadi encore, à lui seul, a fait sortir plus de 70 milliards de nos francs. Une seule personne, parce que c'est un proche de Mamadi. Mais la Guinée-Ka, dit Somane Birinde, oh Lord, vous n'avez rien compris. On refuse de payer les fonctionnaires. Un groupe de bandits. Imaginez, Anaïm, au temps du président Alpha Condé, les activités d'Anaïm, eux, ils sont venus trouver de l'argent. 500 milliards de nos francs, dilapidés comme ça. Et un proche de Mamadi. C'est-à-dire, pour eux, l'administration, la fonction publique, là, c'est pour eux. C'est pour Mamadi, je suis l'ami de Mamadi. Voilà, je peux appeler au trésor, je peux appeler à la banque centrale. On demande, voilà, faites ce virement, mettez ça sur ce compte, c'est fini, c'est fait. C'est pourquoi je dis, les deux mois à venir, les Guinéens, on va sentir encore. On va sentir l'explosion, déjà, 45 millions, ça c'est parti à l'eau et c'est la Guinée qui va payer ça. 45 millions, leur soi-disant dépôt là. Tout est fait exprès. Je dis bien, tout est fait exprès parce qu'un proche de Mamadi Doumbouya avait le contrat. Ils ont fini de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, il faut brûler. Il faut faire ce qu'ils veulent. Je dis aux gens de se réveiller. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Le pays est mal barré. Le pays est mal barré. Le pays est mal barré. Voilà. Si les opposants guinéens doivent se réveiller, tu te réveilles. Le combat devient encore plus légitime. La charte de la transition, les partis politiques n'étaient pas associés. Personne n'était associé. Le CNRD, ce sont eux-mêmes qui ont créé leur charte et ils ont juré sur le Coran, la Bible, de ne pas trahir cette charte. Nous sommes déjà à la fin de cette transition. Il nous reste que quelques mois seulement. Ils sont en train de nommer des délégations. Pourtant, ces 3 mois renouvelables, ça ne dépasse pas 6 mois. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'il n'y aura pas d'élection. Ah ouais, c'est la partie là. Et j'interpelle tous les officiers. Je sais que vous êtes nombreux. Je sais que 90% des officiers aujourd'hui, 90% de l'armée guinéenne aujourd'hui n'en peut plus. Ils en ont marre de Mamadi Doumbouya. Ils ont compris que c'est un menteur qui les a menti. Il avait promis 100% aux militaires. Il n'a pas respecté son engagement. Mamadi est un menteur, un gros menteur. Donc aujourd'hui, 95% de notre armée aujourd'hui ne veut rien entendre de ce bandit-là. Ils ont désarmé l'armée. Je vous ai dit, si tous les militants des partis politiques ou tous les Guinéens étaient armés, mais est-ce que ces bandits-là, ceux qui sont en train de faire, ils allaient le faire? Non. Ils pensent qu'ils sont forts. Mais nous allons les faire, nous allons les montrer le contraire bientôt. Nous allons les montrer le contraire. Donc tous ces officiers-là, rangez-vous du côté du peuple. Aujourd'hui, les dadis sont jugés qu'ils ont refusé d'organiser des élections. Il y a eu des morts d'hommes. Il y a eu bavure au stade du 28 septembre. Donc, c'est le procès. Le CNRD, j'ai dit, vous allez mal partir. Déjà, vous avez déjà vos plans B. Vous avez fait sortir vos familles. Les enfants de Amara au Canada, de Bala en Europe, tous ces gros leaders du CNRD. Vous avez déjà votre plan B. Parce que vous saviez que ça ne va pas rester éternel. Vous voulez forcer la situation. On dit l'ingrat fait exprès.
Vous voulez juste forcer la situation, voir. Mais je vous dis, l'époque là est révolue. Le temps de feu général, là, ça n'a compté. Et maintenant, là, cette jeunesse de maintenant, on ne peut pas tromper la jeunesse guinéenne. Ça, je vous dis, c'est vous qui allez perdre. Le mieux pour vous, je vous avais dit depuis le départ, ramenez le FAMA, le président Alpha Condé, il vient, il organise des élections, il part. À défaut, organisez des élections, si c'est vous-même, le candidat du RPG, le candidat de l'UFDG, allo Sosie Falamakianera, Erouye Taro. C'est-à-dire, confiez-vous à ces gens-là, c'est très simple. Qu'on trouve une porte de sortie pour vous, malgré vous avez sémé assez de dégâts dans le pays. Le candidat de l'UFDG, vous lui dites s'il gagne des élections, boum, vous vous confiez à lui. Comme Macky est sorti là. Le candidat du RPG, vous vous confiez à lui. Avec des garanties de la CEDEAO, de la communauté internationale. Mais en voulant forcer la situation, vous n'effrayez personne. Vous ne pouvez pas barrer la route. Quel que soit... C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous êtes en train de forcer la situation, vous êtes en train de vous créer plus de problèmes. Vous êtes en train de créer plus de problèmes. Vous êtes en train encore de donner le courage, l'énergie à d'autres aussi d'agir. Parce que le 5 septembre, vous avez dit non, le président Alpha Condé, votre bienfaiteur, qui n'avait pas droit au troisième mandat. Vous avez dit que les Guinéens souffraient. On coupe l'Internet, les PME aux arrêts. On envoie autant de personnes, 18 500 personnes à la retraite. Sans mesure d'accompagnement. L'administration n'existe pas en Guinée. C'est un groupe de bandits qui a pris le pays en otage. Des nominations par affinité. Où nous en sommes, le recrutement? Je vous dis, les hommes, ça va mal tourner, les gars. Je vous ai dit, allons-y seulement. Vous pensez que vous êtes fort? Wallah, vous n'êtes pas fort. C'est Dieu qui est fort. Alma Fossieba. Au présent, vous êtes en train de forcer, ça ne va pas marcher. Le temps là est passé. Quelqu'un d'autre peut être le président de la Guinée, mais pas Mamadi Doumbouya. Oufanga Djimato. L'armée guinéenne. Et vous, c'est-à-dire les éléments des forces spéciales. Nakolo Dankana Nande Forago. Mamadi a fait le coup d'état au président Alpha Condé. Et Birenga Bangira faire Amara aujourd'hui. Birimara fini milliardaire. Vous, des éléments des forces spéciales. Oharanga Amarabe. Vous êtes plus formés que Amara. La population est en train de souffrir. Vous avez porté la tenue, pourquoi? Quand on est militaire, aura fierté na Mundura. Bon, défend du fait. Votre fierté, mettez les cœurs, hein, mettez les cœurs. Et bien là, il faut la signaler. Au cœur, ça, on va partager. Votre fierté, c'est la tenue. Mettez les cœurs, parce que les bandits là, ils pensent qu'ils peuvent nous empêcher de parler. Votre fierté, la tenue. La tenue. La tenue. Donc, vous êtes là pour le peuple. Vous devez rester du côté du peuple. Et je vais toujours rappeler la phrase de Mamadi. Lorsqu'Alain Foucault lui a posé la question. Mais, vous ne devez pas tout au président Alpha Condé. Ce n'est pas lui qui vous a nommé. Il dit, quand il s'agit de faire le choix entre le peuple et un individu, que ce choix est rapide, qu'il faut être du côté du peuple. Population, Internet, malgré que ça est là, on coupe. Le courant qui était là, avant le coup d'État, il a fait le coup d'État. Le courant était à zéro couré, un peu partout sur l'étendue du territoire. Qu'on a crié, on n'en parlait même pas. 24 heures sur 24. Où est le courant? Et comment le président Alpha Condé faisait pour payer le bateau? Famille, je vous dis, levez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, le pays, c'est-à-dire la Guinée est à terre, notre pays. On a besoin des intellectuels à la tête du pays, mais pas des Toto, pas des Toka. Nous avons besoin des intellectuels, mais pas des Toto. Ibara Kobriba, c'est-à-dire ils sont venus humilier nos élites. Les intellectuels guinéens, ils sont venus les humilier. Regardez l'administration. À la présidence, c'est Amara Lejiba, un ancien rappeur comme ça, l'un des plus grands projets miniers de l'Afrique, du monde même. Simandou, quoi c'est ce Didier-là, du nom de Djiba Diakité. Des vagabonds professionnels en Europe qu'on nomme
pour piloter l'un des plus grands projets. Un projet dont le développement de la Guinée en dépend. Simandou. Franchement, réveillez-vous. L'armée guinéenne. Vous pouvez ne pas aimer le président Alpha Condé, mais vous avez vu le temps du président Alpha Condé, 11 ans. L'armée, toutes les revendications, vos conditions de vie, ils sont venus prendre vos avantages, les sacs de riz, l'huile. Aujourd'hui, vous avez quoi? On est en train de dire coup d'état de l'armée. Ses amis, les gens comme les Djiba, des petites personnes, il y avait des officiers. Hein? L'armée, c'est la hiérarchie. Selon les grades, mais un groupe de bandits, ils prennent le pays en otage. L'administration, ceux qui ont étudié. On ne leur donne pas cette chance aujourd'hui. Non. Un petit clan gère le pays comme c'est une entreprise privée, comme c'est leur magbana. On fait descendre le chauffeur, on fait monter l'apprenti comme ils veulent. Donc, levez-vous. Levez-vous, peuple de Guinée. Ils sont en train de signaler, go. Donc, au cœur ça, au cœur ça. Bon. Des gens comme les Ousmane Kaba. C'est pourquoi je les ai toujours appelés Sere Nyango, Sere Aigri, Ousmane Kaba, qu'on a tous entendu ici au temps du président Alpha Condé, 2015. Vanter les mérites du président Alpha Condé. C'est ce faux cadre-là aujourd'hui qui s'assoit devant les médias pour dire que la Guinée n'a jamais eu voilà, de l'électricité. Ousmane Kaba, Ousmane Kaba, tu as vu, les gens t'ont répondu. Même des gens qui n'étaient même pas du RPG, même des gens qui n'étaient même pas les supporters du président Alpha Condé, et Naga Idé Balan, Ousmane Kaba, qui datoum, il faut fumer, il a cigare Tayami, mais il faut te taire, Ousmane Kaba. Que quelqu'un d'autre parle, mais pas toi. Tu étais allié du RPG, Ousmane Kaba, qui datoum. Je ne veux pas te manquer de respect. Ferme ta bouche, Ousmane Kaba. Quelqu'un d'autre peut parler. Vos archives sont sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Arrêtez à un moment donné. Respectez-vous. C'est-à-dire, quand on dit des politiciens guinéens, des cadres guinéens, c'est vous qu'on voit. Mais vous faites honte. Qu'est-ce que la nouvelle génération dira de vous? Vous devez être des exemples. Mais si vous devenez des caméléons, c'est-à-dire, vous n'avez pas de dignité. Quand vous voyez les micros, vous avez la diarrhée verbale. Vous racontez de n'importe quoi. Ou même vous savez que Mamadi n'a pas de niveau. Ousmane Kaba, d'après vous, que vous êtes docteur en économie. Les vrais docteurs, ceux qui avaient redressé l'économie guinéenne, sont en prison. Docteur Kassouri. Qu'on le veuille ou pas. Lorsqu'il était là autour du président Alpha Condé, l'économie guinéenne se portait bien. Les mameries là, c'est Dr Kassouri. En Afrique, Agnès, Dr Kassouri. Génie créateur. Mais où vous êtes avec Doumbouya? Quand vous êtes docteur en économie. C'est comme on dit, un docteur en médecine et toute sa famille est malade. Les gens ne vont pas se poser la question. Vous êtes docteur en économie. Mais votre bon petit, le pays est malade économiquement. Ousmane, Nansana Kouyaté, vous êtes là. Quand vous êtes des docteurs en économie. Ousmane Kaba, docteur en quoi? Vous ne pouvez pas les guider. Aujourd'hui, vous avez accès à Mamadi. Vous ne pouvez pas aider. Hein? Pardon. Quand vous êtes docteur en économie. Et docteur en quoi? En mensonge ou en économie? Regardez l'économie guinéenne. Lorsque docteur Kassouri venait, on avait traversé Ebola, Covid. Docteur Kassouri est venu. Le changement, on a compris. J'ai dit, tu peux ne pas aimer le président Alpha Condé, mais l'économie guinéenne, parce qu'on avait un premier ministre. Un premier ministre génie. Un premier ministre créateur. Ousmane Kaba, vous ne pouvez pas guider les jeunes là. Vous qui êtes des docteurs, il suffit juste de dire, c'est comme ça, un docteur. Mais regardez l'économie guinéenne aujourd'hui. Nos mines. Nous sommes à plus de 2 milliards de dettes aujourd'hui auprès des banques privées. Ousmane Kaba, vous êtes des économistes? Hein? Ousmane Kaba, vous qui parlez, on va transformer la bauxite, nanani, nanana. Ousmane Kaba, tous ces investisseurs dans les mines, aujourd'hui, on retire les permis aux Guinéens, on donne à des étrangers. Ousmane Kaba, vous ne pouvez pas dire à Doumbouya que tant que la majorité, 95% de ceux qui vendent la bauxite sont des étrangers, mais l'économie guinéenne va toujours souffrir.
Le président Alpha Condé est venu. C'est ce qu'il a cassé. Donner la chance à des Guinéens. Donner des permis d'exploitation à des Guinéens. Même si nous n'arrivons pas à transformer, et que des Guinéens vendent, des milliards rentrent dans des comptes en Guinée, ceux-ci-là vont investir dans notre pays. Les banques n'auront pas de difficultés. Mais Ousmane Kaba, est-ce qu'on a besoin d'être expert en économie pour comprendre ce mécanisme? Vous ne pouvez pas dire ça à Doumbouya. Vous ne pouvez pas les expliquer si aujourd'hui nos banques souffrent. Quand ces étrangers, les Chinois, quand ils vendent la bauxite, et l'intérêt, ça part dans leur pays. Que le Français qui est là-bas aujourd'hui, qui n'a même pas de maison, le Français qui est dans nos mines aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas les expliquer ça, Ousmane Kaba. Vous, vous êtes docteur en quoi? Vous ne pouvez pas expliquer ça à Mamadi, qui ici seulement en train de faire de la démagogie, mal parler du président Alpha Condé. Pourtant, tes archives sont là. Tu étais là à vanter et qu'à l'État vanter la gestion du président Alpha Condé. Hé, Ousmane Kaba. Hé, Alte Maloya. Pensez que vous avez des enfants. Nous, on n'a pas besoin de venir vous répondre. Vous avez des enfants. Il faut avoir honte de vos enfants. Il faut avoir honte de vos femmes. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Tout va bien. Voilà, j'étais en déplacement. Donc, tout va super bien. Le combat continue jusqu'à la victoire finale. On est ensemble. Merci, ma soeur Fanny. Merci, mon grand DJ Sheik. Merci à Nadia Bangoura. Merci, Mustapha Fanta. Merci à vous, à tous ceux qui prient pour nous. Par la grâce d'Allah. Je viens de voir que la page de Hadji, ses pages ont été supprimées. J'ai dit, CNRD, déjà, nous, nous sommes vraiment des dangers pour eux. Déjà, nous sommes allergiques pour eux.